Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement d'un oscillateur le plus simple que l'on peut faire avec seulement deux transistors, quatre résistances et deux condensateurs. Comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne comme ceci. On a donc deux transistors, chacun monté presque à l'identique, et la base de chacun de ces transistors est alimentée par un condensateur C1 ici, C2 ici. Donc à travers la résistance R2 et R3, donc de 100 kΩ. Alors pendant que, en fait, à la mise sous tension, obligatoirement, nous avons un des transistors bloqué. Lorsque un transistor est bloqué, l'autre transistor se charge à travers la résistance, celle-ci et ce condensateur avec la base de celui-là. Donc la LED 1 est allumée. Et lorsque ce transistor est bloqué, eh bien en fait c'est ce transistor qui devient passant, cette LED qui s'allume parce que le condensateur C1 se charge à travers la résistance R1 et la base de ce condensateur donc est portée à la tension de seuil de 0,7 volts. Voilà, ça fonctionne comme ça. Vous avez donc pour des résistances de 100 kΩ et 33 microfarads une fréquence d'oscillation de à peu près 0,25 Hz.